Bon, je vais pas m'attarder là avec, avec mes copains autour des Cerces. Je sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode précédent. Hein, mais moi oui, là j'avais pas eu le temps de sortir l'appareil photo. Donc là je lui montre que je contourne le troupeau. Par contre, c'est le ravin là que je suis pas en train de contourner. Bon, voilà. On va essayer d'aller en Italie, même avec les pieds légèrement abîmés, on va dire. Voilà, on va essayer d'aller à la source du Pô. Là, ça fait déjà 3 heures que je marche. Au niveau des pieds, ça va. C'est supportable. À gauche. À droite, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça tient le coup, quoi. Voilà. Donc là on va passer dans un tunnel d'ici une heure et demie. Et quand on sortira du tunnel, on sera en Italie. Rendez-vous à tout à l'heure. Et c'est beau, hein. On est dans le tunnel là, on va pas y rester, c'est assez flippant en fait, je sais pas si on voit, et là il y a l'Italie de l'autre côté, je suis enlevé la frontale, je sais pas si vous allez me voir, mais bon, voilà, c'est étrange comme sensation. Là il semblerait... On arrive du côté italien. Je fais gaffe où je mets les pieds parce que c'est pentu. Oh. Et voilà. Ah ouais, c'est bien plus large. Il y a de la neige aussi, hein. Dis donc, on va voir où on atterrit et après on va voir si... Ah bah tiens. Ah, c'est étonnant, tu vois.
Il Bucco del Viso. L'appareil est top. On arrive côté italien, on va voir ce que ça donne. Fais gaffe parce que sans les bâtons, c'est pas folichon. Et voilà. Voilà là-bas la plaine du Pô. Les maisons italiennes. La descente va se faire par un sentier apparemment. Je vais redescendre un peu, la passer dans le petit trou. Et on se rejoint après. Bon. Non, on va. Oh, très long. Ça va. Voilà ce qui doit être le Pô. Même si officiellement on n'est pas encore à la source. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne d'ici une demi-heure, j'espère. Sinon, je rebrousse chemin. Et adesso siamo arrivando alla sorgente del Pô, quella ufficiale. Quella non ufficiale, la seguiamo da un'ora di discesa. Voilà, e il Mont Viso. On voit la base, à droite, toujours dans les nuages. Ce matin qu'on a pu voir. Ah, Pian del Re, sono qua. Sto arrivando. Avec les pieds réduits à l'état liquide dans les chaussures, mais bon, ça passera. Ça y est, on y est à la source du Pô. Bon, pour être honnête, le plus russe, le dur reste à faire, hein, le retour. Donc là, on va pas s'attarder. À tout à l'heure, j'espère.